Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul. Oui, big haul. Un gros haul, ouais. Oui. Faut savoir qu'en tout, on a gaspillé plus de 600 euros. Ouais, 600 euros. Il y aura du Adidas, Hollister, Shein, Ali. PLT, Boohoo et Asos. Alors, je commence ma commande Boohoo. C'est un peignoir. Ouais, c'est un petit peignoir rouge. Rouge. Genre, c'est un pyjama, non? Oui, un pyjama plutôt pour la maison. Je sais pas, soit ça fait un peu superstar les détails. Ouais. Là on voit pas bien le rouge, je dirais un peu orange, mais c'est un rouge. J'aime beaucoup, ça fait superstar. Ouais, il est cute. Ouais. Le deuxième article, c'est un petit top. Un peu couvé. Enfin, oui. Colvé. Cute avec un petit jean. C'est très bon. Un petit jean bleu. Ouais. Moi j'aime bien, il est cute. Hein. Et il vient également de chez Boohoo. Le haut suivant. C'est un haut, les Spice Girls, comme notre chaîne qui vient de chez Boohoo. Ouais, encore. Beau, ouais. Taille. Il est grave cute. Ouais, il est cute, c'est taille M. Un peu large, j'aime bien les hauts un peu larges. Je trouve ça cute. Ouais. Alors, ce haut, c'est un de mes coups de cœur. Ouais, il est cute. Et faut savoir que moi, quand j'avais vu sur la mannequin, voilà quoi. C'était celui-là, non? Non. Ah merde. D'accord. Un peu zèbre, rose, oui, oui. Violet, excusez-moi, avec un peu d'orange, un petit. Moi, un tout petit peu court, avec un petit jean encore. C'est un haut assez basique, j'ai le même que j'ai acheté il y a quelques mois, mais je l'ai acheté en body. Et il venait également chez Boohoo. C'est un couvé. Je sais pas si je vois bien. Par contre, dommage, t'as pris une taille un peu grande, non? Oui, j'ai pris un peu trop grand. J'irai. Ouais, je vois pas la 36. J'ai dû prendre, ouais, 36, malheureusement. 34, mais... ça aurait été bien, ouais. Ouais, il est cute. Mm. C'est un haut à avoir, c'est un haut basique, ouais, quoi. Basique, ça passe avec. C'est à avoir dans sa garde-robe. Mm. Moi, personnellement, je suis pas très jogging en général. J'ai pas beaucoup de jogging à part pour le sport. Quand je vais à la salle de sport à basique. Mais ce jogging, je l'ai bien aimé sur un mannequin. C'était un jogging oversize, un peu baggy. Et du coup, je l'ai acheté et j'ai hâte pour essayer. Vraiment. Vous voyez pas bien. On vous mettra de toute façon des photos pour chaque article. Essayez. Ouais. Il est. Il m'ira très bien, j'ai hâte vraiment de l'essayer. En plus, il a l'air vraiment long sur les jambes, parce que souvent les joggings ils sont un peu courts, sauf pour les filles grandes de taille. Ouais, parce que je suis quand même 1m74. Donc là, on a fini Boohoo, là on va passer à Shein. J'ai commandé beaucoup de jeans, on commence par un jean bleu comme ça, c'est trop beau. Donc il y a des trous. Il y a des petits détails là. Ouais, il y a deux trous. Ah oui, les petits détails, c'est pour ça que j'ai pris le jean, parce que j'aimais trop les ailes en bas. Donc j'ai pris un jean gris. Parce que c'est joli. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de jean gris. Moi non plus. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais en acheter. Et du coup, il est comme ça. Il y a aussi deux trous ici. Le bas, il est basique. C'est un jean coupe droite, un mom, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est un mom ou pas. Ouais. Donc. Déchiré. Ouais. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'espère qu'il taille bien au niveau de la taille. Ouais, la taille. Mais on dirait qu'il taille bien parce qu'il est plus resserré que les autres. Du coup, bah voilà. J'aime bien, il est très cute, hâte de l'essayer. Ouais. Après, j'ai encore pris un jean bleu. Donc là, il est plus clair. C'est vraiment un jean bleu, mais vraiment bleu ciel. Et j'ai trop hâte. Alors, je l'imagine bien porté avec un petit haut blanc. Genre un petit top blanc. Bref, trop beau. En fait, il est simple et beau. Genre. Il n'y a pas de détail particulier, mais il est très joli. Ouais, en fait, il est basique en fait. Ouais, basique. Genre, c'est vraiment un jean à avoir. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de jeans de cette couleur. J'ai toujours des jeans bleus en fait, simple, mais pas bleu ciel. Ouais. Ah, moi non plus. Le prochain jean, c'est un jean slim. Parce qu'en fait, j'ai trop de. En fait, j'en ai que un jean noir, moi. Mais je voulais un jean slim en noir. Mais genre, c'est pas un jean slim. Genre, c'est un jean avec une fente ici. Ah, sur le côté, ouais. Ouais, sur le côté. C'est joli. Ouais. Donc, j'espère qu'il va pas être. Sympa avec sur le côté, c'est joli. J'espère qu'il va pas être trop petit au niveau des jambes. Parce qu'on connaît les jeans comme ça, voilà quoi. Donc j'espère, vous verrez comment il sera. Pour savoir, moi, mes jeans, je les ai pris en L. Vous verrez après, mais mes jeans sont taille 36. C'est fini pour les jeans de chez Shein. Par la commande de Boohoo, pardon, Asos. Alors, voici le Pixie à la vitamine C. Ça va être quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Ils ont également chez Sephora. Je l'ai acheté pour 24 euros.
pour 150 ml, donc c'est quand même assez cher. Je vous conseille d'acheter chez Sephora, parce que pour 150 ml, vous l'avez à 15 euros. Donc c'est beaucoup mieux. La vitamine C, ça permet de nettoyer la peau. La vitamine C, c'est très important pour la peau, surtout moi, qui a des taches pigmentaires. Pour toutes les filles qui ont des taches pigmentaires, je le conseille. Tenue suivante. Alors, c'est un jean qui vient de chez Pull&Bear, taille 36. Pas si vous voyez bien. Il coûte pas très cher, ce Rasos. Ouais, il est... Ouais, il est très joli. C'est un jean chez Bershka, taille 36 encore. Assez basique, il a coûté que 15 euros. Ce Rasos. C'est un homme, non? Un boyfriend? Ouais. C'est basique, il coûte 15 euros, donc... Là, je l'ai acheté et voici un top de chez Pull&Bear que j'ai acheté sur Asos. C'est basique, hein. Il y a des petits détails là. Un peu d'une idée. Des petits trous et tout. Ouais, top. La matière est assez. Un peu dans le bain. J'irai. Ouais, il est cute. Sans plus quoi. J'ai cette Argentine que j'en voulais grave depuis longtemps. En rouge, en noir. Toujours ça. Blanc. Ouais, en blanc, j'ai... Cool, ouais, ils sont très blancs. Ouais. Avec un petit... Ouais. Air Jordan, un petit short pro. Ouais, c'est grave cute. Alors, ce haut, c'est un haut à une manche, comme ça. Là, vous voyez pas, mais il y a des petits détails. En fait, ça se met comme ça. Mm-hmm. Le point négatif, c'est qu'il est transparent. Ouais. Donc, il faudra mettre avec un truc en dessous. Un débardeur, ouais. C'est vraiment cute. Après, il coûte 35 euros, par contre. Ouais. Ah, mais il est beau, ça vaut le coup. Ouais. C'est un top... Le top bandeau asymétrique. Oh, il a l'air assez grand. Putain, il est grand. Je suis choquée. Mais il a son bras là. Il est extrêmement grand même. Je suis choquée. Je sais pas si vous voyez. Moi, ça devait être un bandeau. Oui. Je sais pas si je vais prendre. Je crois que je t'ai trompé de taille. Je sais pas. Ben, il va falloir que je regarde. C'est que taille. Ah, c'est un M. Ah ouais. Ouais. Mais t'as pris un M. Ben, en ce que je vois, oui. C'était tout pour ma commande Asos. Donc là, on va continuer par Chine. Donc, par contre, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il est venu, il était pas fermé. En vrai. C'est bizarre, mais. Ouais, le truc est cassé. Ouais. Trop pire. Il est haut comme ça, manche longue. Côtelé. Comme ça. Il est beige nude. Donc je vous montre. Ouais. La couleur, elle est trop belle. Franchement, j'ai pris un au blanc. Parce que c'est un basique à avoir au blanc. Ça passe avec tout, tu te casses pas la tête. Donc ça c'est mon préféré, donc la couleur elle est trop belle. Vert, je sais pas dire un vert comment, vert menthe, mais je crois pas que c'est ça. Non, on va dire ça. Ouais, franchement. Très joli aussi. Pour finir, j'ai pris un noir. Ouais, j'ai pris toutes les couleurs. Il y a trois basiques quoi, ouais. Mais en différentes couleurs. Une robe pull, j'avais bien aimé sur la mannequin. Reste à voir quand il m'ira à moi. C'est taille 36, donc un peu large. C'est une petite robe pull. En printemps, ça peut être toujours beau. Très joli, un peu à style américain. Grave, tu nous as fait Jordan. Ouais, c'est ou très beau. Force, ouais. Avec une petite chaussette Air Jordan, ouais. D'ailleurs. Une petite Air Jordan. Pour l'été, ça, pour le printemps plutôt, parce que tu dois avoir quelque chose avec ça. Ouais. À moi qui vois. C'est un short long parce que... T'aimes pas vraiment. C'est un short long. J'ai PLT, c'est pas ce que j'avais commandé par contre. Mais bon. Voilà. Rire. J'ai acheté à 26 euros, taille 36. Un short de long, pour le coup. C'est un... Ah, pourquoi c'est... Bref, je sais pas. C'est un short long, comme ça. Parce que moi, j'aime pas trop les shorts courts. J'ai vraiment du mal avec le court. Et j'ai bien aimé ce short, il est... Mais il est franchement très joli. Taille 36 encore. Je vous le conseille en 34 pour ceux qui font le 36. Il est taillé un petit peu grand, je dirais. Alors là, c'est un jogging short. Ouais, moi je voulais le même en gris. Sur PLT aussi ? Je sais pas où l'acheter encore, mais. Je l'ai acheté sur PLT taille 36. Après, comme il y a ça, pour le coup, ça va aller. Je vais pouvoir bien le resserrer. Et je l'ai acheté pour le sport. Ah, pour le sport ? Oui, plutôt. Oui, ça pour le sport au pyjama. Ah ouais ? Ouais. Ah, moi si j'arrive, c'est pour porter. Parce que comme je fais du sport à Basic Fit. Avoir quelques jeans en plus, ça fera pas de mal. J'ai pris que un truc, un archi chez Adidas, un petit jogging, comme ça. Blanc avec des perles sur le côté. Ouais, genre sur le côté, il est beige. Il est un peu transparent, mais je vais porter ça avec un petit slip, c'est la base. Il coûte 1,70 euros. Du coup, bah voilà, il est trop cute. La caméra, vous voyez pas bien, mais en vrai, il est beau. Bah, il est très joli. Il est original, genre, je vois pas souvent de gens.
Après, j'ai commandé sur Ali un petit slim en cuir avec des fentes à la base. Donc comme ça, il a l'air très, très bizarre, je vous l'avoue. Et vous, petit piqué. Allez, là. La petite étiquette, hein. Donc là, voici le haut. Ah, merde. Un autre haut, Hollister. Donc il est comme ça, il est trop trop cute, j'aime trop les détails. Donc là, avec... c'est cute. De toute façon, on va le voir porter. Ça va pas de dîner Le petit trou là. Non, c'est vrai trop. Oh ouais, ça va, ça va. J'ai un petit basique blanc. Et franchement, celui-là aussi, j'ai déjà essayé. Et il taille super bien. Et du coup, après, je l'ai pris aussi en blanc. En rose. Rose bizarre. Ouais, ouais. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de tous nos habits. Ouais. On espère que la vidéo vous aura vraiment, vraiment plu. Vous aurez passé un très bon moment. Ouais. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Qui s'intitulera Basic Fit, quand on sera demain. Non, je rigole.